On vous souhaite la bienvenue à latour.com Dans quelques instants, on reçoit une maman d'un enfant de 7 ans qui est atteint d'un syndrome assez particulier qui touche sa dentition. Bref, il n'a presque pas de dents d'adulte et ça va créer un problème dans les prochaines années. Et problème financier parce que la Régie de l'assurance maladie du Québec ne paie pas pour ça. Bref, on en discute avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, il fait carrière dans le monde de la musique depuis des décennies. Il est plus actif que jamais. Et je parle ici, bien sûr, de Jean-Nicole. Il habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années. Il roule sa bosse à travers tout le Québec depuis des décennies. Dans le monde de la chanson, d'ailleurs, il va produire ici même un spectacle le samedi 29 octobre à 20h à l'église Saint-Athanase du côté d'Iberville. Si je vous dis de Lady Mary à aujourd'hui, je parle bien sûr de Jean-Nicole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Abby. Ça arrête pas, ça arrête jamais. Je regardais aujourd'hui sur le site Internet l'agenda. L'agenda est bouqué euh, mur à mur. Puis en plus, nous, on s'était vu il y a à peu près trois ans. À la sortie euh, de l'album Passion. En 2013, puis encore là aussi. Bref, ça arrête jamais. Oui. On travaille fort. On travaille fort. On a notre propre compagnie de production, mon épouse et moi. Ça, ça s'appelle les productions DAG. Mes fils, David, Alexandre, Gabriel. On cherchait un nom, puis c'est mmh. mon fils, le plus, euh, le plus vieux de mes, ans, mes enfants, qui a trouvé le nom, les productions DAG. Euh, et puis on travaille, on a notre bureau ici à Saint-Jean, à la résidence, notre propre bureau, et puis on, on fait tout nous-mêmes, production, promotion, exécution. Est-ce que c'est ça qui est le plus efficace? Bien, on travaille en collaboration avec bien du monde, ouais. avec la plupart des agences. On travaille en collaboration avec plein de monde, mais tout est fait à partir de, de, de notre bureau. Bon. Et généralement, on peut être occupé quoi? Deux, trois jours par semaine, tout dépendant. Mais bref, le, le, le calendrier, l'agenda semble toujours se remplir de différents événements, de différents spectacles. Si je te disais que quand, à notre retour de Floride, à chaque année, on va en Floride au mois de février. Mars, avril, mai, juin jusqu'à juillet, ma, ma femme et moi, on a fait sept jours sur sept. Wow! Bureau début de semaine, la route la fin de semaine en spectacle. On avait euh, avril, mai et juin la tournée des idoles qui fonctionnait, plus mes spectacles personnels. Ça nous a donné dans ces trois mois-là 35 spectacles à faire. <laughs> <laughs> c'est comme un jeune de 20 ans. Là. <laughs> Je suis en forme. Je suis vraiment en forme. Je suis chanceux. J'ai une santé de fer. L'exemple, dans les dernières semaines, c'est quoi les spectacles que tu as fait? Ah, bien, on est allé jusqu'à Sept-Îles. On est allé dans la même semaine, on a fait euh, saint tite pour la ville ouais. de saint tite pas pour le festival, pour ouais. la ville. Et on organisait un spectacle dans un parc. On a fait ça. Euh, le vendredi, on a voyagé par la route, 12 heures de route. Le samedi, on a fait un show à Sept-Îles. Et le dimanche, on est revenu, 12 heures de route. On est allé au lac Saint-Jean, on y retourne en plein mois de janvier. C'est sympathique ça. <laughs> oui. Ça en fait des kilomètres. Ça. Oui, ça en fait. Ça fait beaucoup de route. beaucoup de. Route. Moi, j'aime ça encore. Moi, quand il fait beau là, puis on part le matin, puis on s'en va. Ça au, fait partie euh, au, de, la, là. de la routine là. Le, oui. le, 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 le transport, euh, le fait de se déplacer, d'aller oui. en Abitibi, au lac Saint-Jean ou sur la côte nord. Oui. Ça fait partie du trip Savez-vous ce que j'ai déjà fait, Éric? Bon, me vanter, va là, <laughs> à mon âge. Euh, festival de la traversée du lac Saint-Jean. Je pars à 8h le matin. Je fais 6 heures de route. Je fais un show de 2 heures là-bas, non-stop. Puis je reviens après. <rire> <rire> un aller-retour. Oui. Parce que le lendemain, j'avais autre chose. J'avais d'autres choses. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Le, les gens veulent entendre toujours, toujours mes anciens succès. Et ils veulent aussi entendre du nouveau. Fait que le show, c'est d'hier à aujourd'hui. On fait une vieille chanson, une ancienne, une nouvelle, une ancienne, une nouvelle, une ancienne, une nouvelle. Et puis ça va crescendo, comme on dit. On commence en douceur et puis ça le, finit à plein poumon. Là, si tu chantes pas «Lady Mary», est-ce qu'il y a une émeute? Ah! <laughs> je ne dirais pas qu'il va y avoir tu -tu une émeute. ça dans, dans le rappel Mais... À la fin? <rire> <rire> Mais les gens vont sortir à la fin et vont dire «Ah, oh, il n'y a pas chanté «Lady Mary»». Mais euh, c'est le fun, Lady Mary, maintenant, parce que c'est devenu mon hymne national. Ouais. Et puis, tous les gens dans la salle, bien, ils savent la chanson autant que moi, maintenant, la plupart des gens qui me suivent. Et puis, euh, c'est un hymne national, Ben je leur dis, ça chante debout. Ouais. Tout le monde se lève et tout le monde chante, qui se tient par la main. Et on chante ça, tout le monde ensemble, pour finir la soirée, la, le spectacle. Donc, les succès du passé, mais aussi du nouveau matériel. Le nouveau maté matériel de Jean-Nicole, il ressemble à quoi aujourd'hui? Euh, c'est plus euh, c'est actualisé. Je suis hein? dans le son d'aujourd'hui euh, qui est euh, pop rock américain. Euh, musique contemporaine. Musique oui. contemporaine. Euh, des belles des belles chansons. Des belles chansons. J'en ai co-écrites là-dedans. Il y en a une en particulier qui... Euh, je suis allé à l'épicerie euh, avant le souper. Euh, mon, mon, ma femme avait besoin d'une coupe de choses en, en dépannage. et puis… Euh, il y a des gens qui m'ont rencontré. Un monsieur d'à peu près mon âge et sa femme. Le monsieur, il dit Toi, il dit Tu me fais pleurer. Ah ouais, avec quoi <laughs> Je suis allé voir la Granby puis il dit euh, La chanson Tu étais là, mm. est mon, qui est mon histoire, dans le fond, tu sais, c'est euh, à cause de mon, euh, de, mon alcoolisme. Mm -hmm. okay. Ma sobriété, maintenant, c'est 15 ans. Là. 15 ans Oui. Alors, j'explique aux gens que. Euh, euh, cette chanson-là, elle a été écrite euh, pour moi. Ça, ça parle d'un bonhomme qui a eu de la misère. Et puis heureusement, à ses côtés, il y avait une femme très forte. Ça prend une femme forte pour subir ça. Et puis euh, la chanson s'appelle Tu étais là. Et le monsieur, ben, je l'ai fait pleurer. Ça l'a rejoint. Oui. Il me disait ça. Il me dit Hey, c'est jean -Luc. Oui. Bonjour! <laughs> Mais aussi, ce que je constatais également cet après-midi en regardant la page Facebook... On voit aussi, euh, et sur le site Internet, des, des hommages à Tom Jones, des hommages ouais. à Engelbert Humperdinck, ouais. qui sont aussi un peu dans la même sonorité de ce qu'on peut entendre de, de Jean-Nicole. Je on n'est pas surpris de voir Jean-Nicole chanter du Tom Jones. Ouais. Quand je suis arrivé av à, à, avec Lady Mary, avant Lady Mary, j'avais fait la version d'une chanson de Tom Jones « A minute of your time », j'avais écrit les paroles, c'était simple, hein? « Une minute de ton temps ». Alors, et puis tout de suite, on m'a dit, on a dit, « Jean-Nicole, c'est le Tom Jones québécois. » Ça, ça a collé, ça. Là-dessus, je vais, je vais te dévoiler quelque chose. Il y a une agence à New York que j'ai contactée par, par pur hasard quand tu étais au bon moment, au bon endroit, au bon moment, en Floride, d'un rendez-vous, ça m'a amené à une agence de chant. Hein. Puis ils ont entendu l'hommage à Humperding et l'hommage à Tom Jones. Et puis ils m'ont rappelé en me disant You're even better than the original. J'ai dit Ils poussent un peu fort, là, mais quand même. T'sais. Ils ont trouvé ça excellent. Et puis ça va m'amener. Euh, ça va t'amener à d'autres projets. À d'autres projets. Oui, j'ai un projet en anglais qui s'en vient, un album en anglais. Euh, ça fait 45 ans et plus que je travaille avec un monsieur qui s'appelle André Angelini à l'écriture de chansons. Mm -hmm. Et puis, on a accumulé en anglais au fil des ans. On, on écrit beaucoup de chansons en français, puis de temps en temps, il y en avait une en anglais aussi. Mm -hmm. Et puis, euh, on a tout mis ça de côté, puis euh, on a à peu près le choix sur une quarantaine de chansons mm -hmm. originales qui n'ont jamais sorti, qui sont restées dans les comme on dit. Et puis là, bien, tranquillement, on ressort ça. Je suis en train d'en travailler, travailler sur deux, là, pour préparer un démo pour... Euh, on vise Nashville. On vise Nashville. C'est important pour un artiste de se renouveler. Oui, d'être connu ou reconnu pour ses succès passés, c'est tout à fait correct. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est important pour l'artiste de, 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 de pouvoir travailler sur des nouveaux projets, de se renouveler, de, oui, chanter son vieux matériel, mais aussi d'en créer, de créer d'autres choses, de créer des projets. Moi, je suis pas capable d'être stagnant. C'est impossible avec moi d'être titanien. J'ai toujours des mélodies qui me trottent dans la tête, toujours des idées pour des nouvelles chansons. C'est tout le temps. Je me lève le matin, et puis ça part, là. C'est tout le temps, là. C'est tout le temps, tout le temps. Quand je te dis tout le temps, c'est tout le temps. Et puis, euh, il faut être productif, il faut avancer, il faut, il faut, il faut trouver des nouvelles idées, même si on dit tout a été fait, mais quand même. Il, a, il, faut, il faut sortir du nouveau matériel constamment. Donc, il n'y a pas de projet de retraite. Là. Comme plusieurs artistes qui, qui ont 75, 80, 90. Je vois encore Charles Aznavour qui va faire le Centre Belle. Puis pourtant, je l'ai vu il y a deux ans au Festival de Montgolfier ici, Puis je me suis dit, de par là, c'est peut-être l'une des dernières fois. Il est encore là. 93 ans. Il va avoir 93. Que ans? Que tu vises? Euh, <laughs> tant aussi longtemps que je vais être ouais. en forme. La, la, la forme et la passion sont là. Je continue. La forme et la passion. Si la passion me lâche. C'est fini. Mais la passion a pas trop l'air de lâcher, là, non. honnêtement. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en même temps, ce métier-là, c'est souvent un métier aussi en dentiste. Hein? Oui. Il y, a, il y a des bons moments, il y a oui. des moins bons moments, oui. bon, etc. Mais que, comment on arrive à se, à se maintenir dans ce métier-là, malgré là, les, 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 les aléas de la vie? Ah, euh? oh, il faut être persévérant. Très persévérant. Il faut croire en ce qu'on fait. T'sais, la passion, il faut qu'elle soit vraiment là pour dire hey, quand il y a le creux de la vague, puis le téléphone arrête de sonner, là, et puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis il n'y a rien qui se passe. Pendant des mois, euh, tu commences à te poser des questions, mm -hmm. OK, euh, c'est fini pour moi. Puis là, ben, tu te mets au téléphone, tu commences à faire des téléphones. Ah ben ouais, mais ben, à un moment donné, j'ai eu un accident mm -hmm. d'auto en 92. De 92 à 96, j'ai eu quatre ans de convalescence. Tant que ça. Tant que ça. Physiothérapie pendant quatre ans. Réapprendre okay. à marcher et tout, j'ai été opéré. J'ai eu une fusion avec une greffe à la colonne vertébrale. Okay, okay. okay. C'est quelque chose. Ce n'est pas, un, euh, pas une opération pour une écharpe. <laughs> et puis, euh, là, j'ai euh, été mis de côté. J'ai délaissé pendant quatre ans. Mm -hmm. Alors là, à un moment donné, je... avant ça, il y a eu le déclin. Mmh. Il y a eu la popularité, mmh. Lady Mary, tout ça. J'avais, là, euh, je ne pouvais pas faire tous les contrats qu'on m'offrait. Quand c'est ce, quand sorti, Lady Mary, c'était impossible de faire tous les contrats qu'on m'offrait. Impossible. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est 69. Ah, 69. Euh, oui, 69. Yeah. L'été 69. La fameuse tournée Musico-Rama avec Radio oui. Mutuelle, 40 jours 40 villes. C'était incroyable. Après ça, bien, je suis parti tout seul, oui. après cette tournée-là. Lady Mary est sortie, la tournée Radio Mutuelle est arrivée. On est parti en tournée 40 jours 40 villes. Après ça, ça a commencé. Là, le téléphone, il ne dérougissait pas. J'aurais pu faire 7 contrats dans même semaine, 7 jours sur 7. Là. Mais je ne pouvais pas, c'était impossible. Alors ça m'a... Jusqu'en 1976, ça a été comme oui. ça. En 1976, le déclin est arrivé. Déclin, 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 déclin. Alors problème d'alcool, mm -hmm. ok. Euh, et puis là, euh, à un moment donné, il y a une certaine stabilité qui s'installe. Tu es plus low profile, mais tu continues à gagner ta vie, mm -hmm. ok. De peine et de misère, Il okay, faut le dire. Et puis à un moment donné, ben euh, le déclin euh, pratiquement total. Donc là, je me pose des questions qu'est-ce que je vais faire dans la vie j'ai bifurqué vers les traitements d'eau pendant deux ans. Le but, mm -hmm. c'était d'aller faire de l'argent. Je, je croyais à ça, mm -hmm. moi. Moi, La pollution, tout ça, c'est anti-pollution. Je croyais en ça, puis j'ai <coughs> vu une démonstration, puis j'ai accroché là-dessus, puis euh, je suis allé là-dedans, puis j'ai réussi. J'avais une compagnie qui fonctionnait à fond jusqu'à jusqu l'accident. Jusqu Mais le but, c'était ramasser des sous. Pour revenir. Euh, Mettre euh, une, une petite fortune sur une production et faire la place des arts. C'était ça le but. Ça ne m'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. Et après 96, Oups. 96, le téléphone sonne. C'est Québec, une place qui s'appelle La Bulle. À Québec, c'est une brasserie. Comment euh, il s'appelait le monsieur, je me rappelais de ça. André Gagnon. André Gagnon, je me rappelle de son nom. 96, il m'a Bonjour Jean, ça va bien? J'ai besoin de tes services. Oui, bien là. Euh, la brasserie, 350 places. OK. Euh... J'ai dit, va-t-il avoir du monde? J'ai <laughs> dit, là, je suis le déclin. J'explique. Il dit, non, non, il dit, inquiète pas. Ils vont faire de la promotion, puis tu vas avoir plein. J'arrive là, c'était plein à craquer. Ah oui. C'est reparti. Et là, ça repartit? Ça repartit. Mais pas, mais pas, pas facilement. Ouais. Il a fallu que je me mette au téléphone. Je me suis servi de référence à référence. Alors, M. Gagnon, une lettre de référence. J'appelle un client à un moment donné. Bonjour, c'est Jean-Nicole. Oui. Chante-tu encore? Ça commence mal une négociation. <laughs> alors, là, je dis, OK, bon, on va vous envoyer une, des références. Je suis allé faire un spectacle à tel ouais. et tel endroit à un moment donné. et puis Alors, j'ai accumulé, avant qu'on ait le phénomène Internet, ouais. okay, j'ai accumulé plein de références. Je me suis bâti un catalogue qui avait mmh. à peu près une mi-pose d'épais, plastifié et tout et tout. Et j'ai envoyé ça à tous les clients. Alors. Et j'en avais ça d'épais. J'en avais un demi-pouce d'épais. Et là, la, la, la cadence de spectacle que tu as là, depuis plusieurs années, là, ça se maintient comme ça depuis combien de temps? Ça va, ça va comme ça depuis euh, nombre d'années. Nombre ah, depuis... oui, oui. oh, oui. En 2006, j'ai sorti un album qui euh, était avec vous. Oui. Et puis, ça a bien été. Les, les ventes d'albums, c'est c'est comme tout le monde. Oh, oui, tu sais? Fait, fait. On ne fait pas d'albums maintenant pour faire de l'argent. On fait de l'album pour faire de la promotion ça. pour vendre oui. le spectacle. C'est ça. Moi, je ne me fie pas à la vente d'albums pour faire des sous. Il n'y a pas de. Même que, même que je te dirais que c'est à perte. Les productions coûtent trop cher. Samedi 29 octobre, donc à la fin du mois, 20 h à l'église Saint-Athanas. Oui. C'est quand même une belle église avec pas mal de place. Oui. Euh, ça va ressembler à quoi le spectacle? C'est le spectacle d'hier aujourd'hui. j'ai une première partie. J'ai une excellente chanteuse qui s'appelle Gate Bailey. Elle fait de Piaf à Ginette Renault. Elle va faire une première partie. Et puis moi, je vais faire le reste. C'est un, un récital de deux heures avec Anthrac. Et euh, c'est produit par ma, notre compagnie, oui. ma femme et moi, les productions D'AG. Pour euh, les, les bénéfices, vont à la paroisse, Saint à, les, à la fabrique Saint de Saint-Athanas. Okay. Tous les profits, on leur laisse. Pour la fabrique. Pour la fabrique. Qui ont besoin de rénover. rénover oui, je oui, pense. oui, évidemment, c'est les gros oui. bâtiments. C'est oui. euh, oui. évidemment le contexte aujourd'hui. Oui. Oui. On garde, nous, le, les coûts de production, mais les profits, oui. c'est à eux. Jean-Nicole, merci beaucoup. Bien, Félicitations, mou... meilleure des chances. Bien, merci. Et on invite les gens, bien sûr, à se procurer des billets pour ce spectacle à la fin du mois de l'Église. C'est pas, pas dispendieux, 25 Tout à fait. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une maman qui a lancé une campagne d'autofinancement pour son fils. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Aurélie Rivard et sa maman Nadine. À tout seigneur, tout honneur, la reine des jeux est avec nous. Ne manquez pas ça. Jeudi 19h. Son fils, William, est atteint d'un syndrome particulier, un syndrome du nom d'agénésie dentaire, c'est-à-dire qu'il lui manque des dents permanentes. Sa maman, Lina Corriveau, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Euh, il est né comme ça. Euh, Bien, oui. Dans le fond, euh, on attend des tests pour euh, la génétique, savoir si c'est génétique ou si c'est juste une malformation euh, quand il était un fœtus, dans le fond, euh, dans mon ventre. Bon. Il a quel âge aujourd'hui? Il a sept ans. Sept ans. Oui. Comment on découvre que notre enfant est atteint de ce syndrome? Bien, nous, à l'âge de cinq ans. Dans le fond, on est allé chez le dentiste, on rendez-vous annuel. Ils ont passé une radiographie panoramique pour voir justement la croissance de ses dents permanentes, savoir quand est-ce qu'il commence à en perdre, tout ça. Et... Euh... Elle a vu sur la radiographie qu'il y en avait seulement cinq en avant et il y avait ces quatre premières molaires d'adultes qui sortent vers l'âge de six ans. Puis au fil des années, dans le fond, à six ans, on en a repris un autre. Il n'y avait rien de développé de plus. Là, on nous a référé à Sainte-Justine que, là, eux, ils ont pris en charge William pour à long terme jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans environ. Bon, donc les conséquences pour lui, c'est quoi? Donc ce que je comprends, c'est qu'au niveau de sa dentition de bébé... Mm -hmm. Il n'y a aucun problème? Non, il n'y a aucun problème. C'est normal? Ou oui, presque? ses dents ouais. sont presque normales. Dans le fond, il y a une émail qui s'effrite, donc euh, ouais. c'est propice à des caries, ils peuvent casser. Il y avait déjà une dent qui, qui était fissurée. Donc, tu il y a une émail déjà fragile et des dents fragiles de bébé. Bon. Et, et là, aujourd'hui, il a 7 ans. Quel type de dentition il a en ce moment? Ben, il y a une dentition comme un enfant de 7 ans. Il a perdu ouais. ses dents qu'il avait à perdre et les dents d'adultes qu'il avait à avoir bien, sont en train de pousser, mais il sont mal formés Il y a une malformation aussi de ces dents d'adultes. Elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes. Oui. Euh, les deux, il y en a deux en bas, sont pointus. Au lieu d'être plates, okay. sont pointus. Et euh, ces molaires d'adultes, ils n'ont pas de racines. Donc, ils sont friables. Là, oui. Ils il, il pourraient casser dans le fond euh, n'importe quand. Ils pourraient même tomber. Bon. Et, et lui, au final, euh, parce que là, il a 7 ans, mais quand il aura 8, 9, 10, 12, 15, 20 ans, euh, si on ne fait rien, ça va ressembler à quoi? Dans le fond, il pourrait se ramasser que ses dents de bébé pourraient tomber, puis il y aurait des trous. Ou tout simplement, il pourrait garder ses dents de bébé. Dans le fond, nous, notre but, c'est de garder ses dents de bébé le plus longtemps possible. possible pour pouvoir avoir des implants dentaires rendus, même que sa sauf, croissance sauf que soit. que qu'ultimement, si demain matin, on enlève toutes les dents de bébé, il, en termes de dents d'adulte, il y en aurait presque peu ou pas. Il y ça? en aurait neuf. Neuf au lieu de 32. Neuf dents sur 32. Ouais. Puis neuf dents qui ne sont pas complètes. C'est ça. C'est du jamais vu. Bien, en tout cas, nous... Dans... nous Qu'est-ce disait... qu'ils vous disent à Sainte-Justine? Bien, ils nous disent, dans le fond, que c'est un cas spécial. Que La première chose qu'ils nous disent, en fait, quand on arrive à Sainte-Justine, c'est que le gouvernement ne paie pas. Bien, ça, c'était mon autre question, parce que, euh, bon, vous dites, le gouvernement du Québec ne paie pas pour ce syndrome. Oui. Tout ce qui est des implants dentaires, tout ce qui est des soins dentaires, le gouvernement ne paie pas. Euh, J'ai même appelé à la régie d'assurance maladie pour savoir s'il y avait possibilité, ils m'ont dit non. Peu importe la situation, euh, c'est une maladie, peu importe, ils payent pas pour ça. Et justement Sainte Justine a pris William comme un cas pour amener au gouvernement pour essayer de le convaincre que de payer pour des cas comme ça parce que c'est quand même essentiel des dents pour la croissance du visage, la mâchoire, tout ça, puis même pour manger parce que s'il perd ses dents de bébé, il n'y a plus rien. Là. Donc euh, et on va voir ce que le gouvernement va faire. On a quand même eu quelques années. Fait qu'on ouais. essaie, là. Et là, est-ce que, est que, est que, est que vous avez des, des assurances privées qui peuvent couvrir une partie? Ou est-ce qu'encore là, je vais prendre un terme anglais, ou est-ce que c'est complètement over, là? C'est comme. On oublie ça, c'est pas possible, Ben moi, mes assurances, j'en ai à mon travail, mais évidemment, ils payent il paye un implant par année parce que j'ai un maximum par année. Donc, tu il y a besoin de 19 implants. Fait que c'est un implant par année. Il va en avoir jusqu'à 40 ans, pratiquement, à avoir un implant. Et là, pour faire le boulot, dans le fond, il faudrait quoi? Refaire la bouche au grand complet au fil des, des 10-15 prochaines années? C est, c est, dans un monde idéal, là, vous avez les sous en poche, là, parce que bon, le gouvernement ne paie pas, à moins qu'il y ait un revirement de situation. Mais disons que ça serait quoi le plan de match pour restaurer sa dentition au fil des ans? Là? Le présentement, jusqu'à sa poussée de croissance d'adolescence, vers 12-13 ans, là, c'est de la prévention. Il faut pré préserver ses dents de bébé le plus longtemps possible. C'est des ouais. visites régulières aux dentistes. Euh... On a, on a mis des scellants, donc c'est vraiment de la prévention pour pas qu'il y ait de caries, pour pas toucher à ses dents, pour les garder le plus longtemps possible. Rendu à, à sa poussée de croissance, ils vont y mettre des broches pour, s'il y a des dents qui ont tombé, garder les trous. Ouais. Puis après ça, ça va être une chirurgie de la mâchoire parce qu'il y a un retard de croissance déjà à 7 ans, étant donné que la mâchoire grandit selon tes dents d'adulte que tu as dans ta bouche. Lui, il en a pas, donc elle ne grandit pas comme il faut. Donc il va falloir qu'il se fasse opérer. Et après ça, c'est les implants là, à la fin de la croissance, là, à son âge début adulte, pour faire ses implants, pour être sûr que les implants ont, vont être de la bonne grandeur pour sa bouche, puis qu'il n'y aura pas d'autre croissance après. Donc, à court terme, disons les trois à cinq prochaines années, les coûts sont, sont, sont évalués à combien? Est-ce que, est que vous avez une petite idée de ce que ça va coûter dans les trois à cinq prochaines années? Bien, pas vraiment, parce que tout dépend. S'il perd ses dents de bébé, ben il va falloir peut-être soit les remplacer, parce que s'il en perd bien. beaucoup, je ne laisserai pas avec des trous dans, dans la bouche, c'est sûr. Là, je vais essayer. C'est sûr que, tu sais, il 10 ans, ça peut être normal, mais il faut quand même oui. mettre des. En Sauf place. que là, vous, votre inquiétude, dans le fond, c'est pour dans 5 ans, là, ce que je comprends. là. À oui. partir du moment où il va avoir 12-13 ans, c'est là que ça va se compliquer. Bien, je ne voudrais là. pas, c'est ça. Je veux pas non plus que ça touche son estime de lui-même. Là, il est petit, il ne comprend pas nécessairement que ouais. il est plus tard. Puis, tu sais, à l'école, aujourd'hui, ben il ne veut, veut pas, il y a de l'intimidation, tout ça. Puis, je ne veux pas que mon fils vive, avec, vive ça. Donc, euh, c'est ça. Mais, tu sais, même présentement, bien, pour ses sports à l'école, il y a besoin d'un protecteur buccal parce qu'il ne faut pas qu'il mange de coups. Euh, il y a des soins chez le dentiste. Le gouvernement paye une visite annuelle. Moi, mes assurances ne payent pas en bas de 10 ans. Donc, c'est ouais. des coûts supplémentaires et tout ça. Là puis il va falloir payer les broches aussi dans les, un avenir approché tout ça. Là. Bon. là, de ce que je vois, c'est parce que vous avez lancé une campagne d'autofinancement sur le site gofundme.com. Oui. Et là, vous me corrigerez, mais de ce que je vois, c'est que vous avez un objectif de 80 000 Oui. Sainte-Justine nous ont dit qu'aujourd'hui, si on ferait faire les implants, ça serait entre 40 et 60 000 pour les soins au complet, là, les broches, tous les appareils, tout ça. Parce que c'est quand même dispendieux, un implant dentaire, on ne se le cachera pas. Donc, dans 10 ans, parce que là, il y a 7 ans, dans 10-11 ans... Euh, les coûts vont probablement avoir augmenté chez le dentiste. Donc, c'est pour ça. Et euh, évidemment, si on en a de trop, bien, je ne me gênerai pas pour le donner à d'autres gens qui vont être dans le ouais. besoin. Ça, c'est sûr. Bon. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que pour restaurer sa bouche au fil des prochaines années, mm -hmm. c'est un montant estimé d'environ 80 000 incluant l'inflation. Ouais. Vous l'estimez sur une période d'à peu près combien de temps? Bien, eux, ils donnent euh, environ 10 ans. Dans 10 ans, dans le fond, tout dépend de sa croissance. Euh, vers 18 ans, ça devrait être presque terminé, là, tout euh, le cheminement euh, pour William. Mais ça va se faire surtout <coughs> début adolescent, toute adolescence, dans le fond, c'est là qu'il va le vivre euh, le plus pour lui. Bon. Comment ça fonctionne, une campagne d'autofinancement, quand on utilise euh, le site euh, GoFundMe? Bien, moi, dans le fond, <coughs> j'ai écrit un petit peu l'histoire de William. Ouais. Euh, j'ai l'écrit en français en anglais. Et. Euh, c'est du bouche-à-oreille, dans le fond, présentement, pour euh, GoFundMe. Euh, on a fait un article aussi dans le Canada français qui ouais. a paru la semaine dernière. Et on fait beaucoup de levées de fonds. On va faire beaucoup de levées de fonds pour pouvoir justement aussi euh, ramasser des fonds autres que le site. Parce que ce pas toujours évident. Le monde ne connaît pas nécessairement la maladie, tout ça. Là. Donc, euh, on veut se faire connaître, dans le fond. Comment on arrive à lever 80 000 de fonds sur 10 ans? Je ne sais, <laughs> sais pas. Je ne sais pas. Je… J'ai comme lancé ça dans le ciel, puis je me dis, arrivera ce qui arrivera. Si je ne l'ai pas atteint, ben je... on trouvera une autre façon. Euh... C'est sûr qu'on a mis beaucoup de plans sur la glace, parce qu'on s'est dit, la priorité, c'est vraiment ouais. notre enfant. Euh... Tu sais, je, je veux pas… Euh... On a décidé de ne plus déménager, parce qu'on s'est dit, on va garder l'hypothèque qu'on a là. Si jamais on a besoin, ouais. bien, on réhypothèque ou peu importe. Euh... Pour moi, la priorité, c'est vraiment les... les dents à mon garçon. C'est quand même assez particulier. Bon, je comprends, là… Euh... Évidemment, votre détermination, parce que vous, évidemment, là, vous il vous dit qu'il y a sept ans, plus ou moins conscient de ce qui se passe nécessairement. Mais évidemment, plus les années vont avancer, votre crainte, évidemment, c'est que son, son estime de, de soi soit, soit atteinte et tout ce qui vient avec. Donc, pour vous, le rêve ultime, c'est d'être capable de lui donner une dentition avec des implants pour qu'il qu puisse, après ça, faire sa vie euh, comme oui. tout le monde. Là. Oui, c'est ça. C'est notre but à moi et mon conjoint de. Ils permettent d'avoir une vie normale comme tout le monde euh, à l'âge adulte. Et entre-temps, avez-vous des espoirs que, le, que le, le, le gouvernement du Québec change ses règles du jeu? J'aimerais bien, mais ouais. Sainte-Justine me dit de vraiment pas compter sur eux. <laughs> de vraiment pas compter sur eux. Lino merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Meilleures des chances, évidemment, pour, pour ceci. Puis si vous désirez obtenir des informations, les gens qui vont sur GoFundMe, et dans le fond, ça s'appelle D'aides pour Will. Oui, c'est ça. Donc, si vous faites une recherche assez rapidement, même sur Facebook également, vous allez trouver. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le barbier Quotidien. C'est déjà le moment de parler de la collecte des feuilles mortes organisée par Compo Richelieu à compter du 10 octobre. Pour obtenir de l'information, savoir dans votre quartier comment ça fonctionne au niveau de, des dates, le calendrier, tout ça, allez sur compo.qc.ca. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3500 en prix, carte pleine qui est à 2000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et nous, notre prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est demain. Bye-bye.